Mélanie da Cruz et le footballeur du FC Séville, Anthony Martial, divorcent. Si est-il la maman de Swan qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, ce jeudi 31 mars. La franco-portugaise a publié une photo d'elle en robe de mariée où elle indique, le cœur visiblement lourd, qu'elle a rompu avec son mari et père de son fils. Parfois, pour gagner une course, il faut arrêter de courir. Écrit-elle avant de poursuivre, abandonner ne fait pas partie de mon caractère, mais si est ici que nos chemins se séparent. La jeune femme âgée de 30 ans et son futur ex-mari s'étaient mariés il y a un peu moins de 3 ans. Cette dernière pensait évidemment que c'était pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffi, a-t-elle expliqué. Et d'ajouter, la vie à deux est une longue route souvent parsemée d'embûches. Mais le couple garde une même priorité, leur fils, Swan. Cette décision de rompre ne semble pas avoir été facile à prendre pour l'ex-candidate de Secret Story. Il m'est impossible de poser ici des mots sur ce que je ressens, car ma douleur ne s'écrit pas, ajoute-elle. Mélanie da Cruz révèle avoir fait une fausse couche. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Mélanie da Cruz qui a révélé, ce dimanche 27 mars, avoir fait une fausse couche. Fatiguée d'être la cible de remarques de certains internautes malveillants qui spéculaient sur une éventuelle grossesse, la maman avait décidé de briser le silence. « Il y a 3 semaines, j'ai encore fait une fausse couche », avait-elle déclaré. Avant de conclure, « Vous ne savez pas si je ne suis pas atteinte de thyroïde, que je ne souffre pas d'endométriose ou que j'ai le ventre gonflé tout simplement. » Il n'y aura aucune compassion ni aucune compréhension parce que je ne suis pas en train de pleurer devant vous. Loading widget.